L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Est-ce que vous considérez, Valérie Pécresse, je vous resalue, que Bruno Le Maire a raison, c'est que les Français ont tiré un trait définitif sur le quinquennat de François Hollande? C'est une phrase lourde. Malheureusement, j'allais dire, il reste 18 mois. Et la question, c'est que va faire la France pendant 18 mois? Et moi, je suis très inquiète parce que je pense que sur la loi El Khomri, le président de la République a préféré la tactique à la vraie politique. La vraie politique, quand on veut mener une réforme aussi lourde, c'est de commencer par la concertation, pas de balancer un projet de loi qui n'a été ni concerté, ni préparé, dont on n'a pas fait, comme disait Guillaume Tabar, la pédagogie au préalable. Mais il a été pris en main par Manuel Valls. Au départ, c'était un projet Macron qui est devenu un projet El Khomri, et maintenant, c'est un projet Valls. Écoutez, en tout cas, quand j'étais au gouvernement, j'ai mené une réforme très difficile, qui a été très contestée, celle de l'autonomie des universités, mais on a pris le temps en amont et de la pédagogie et de la concertation. Là, en l'occurrence, on a l'impression d'une précipitation. Et croyez, enfin, on voit bien que là, le gouvernement est en train d'enclencher la marche arrière. Et le grand risque, c'est que la montagne... Sur le plafonnement des indemnités, sur les 35 heures... Mais sur tous les points qui pouvaient faire réforme dans ce texte. Ah. Et donc, on voit bien que le risque... Donc, c'est un abandon, un retrait. Le risque, c'est que la montagne accouche à nouveau d'une souris. Le risque, c'est qu'on ait encore enclenché la marche arrière. Le risque, c'est que le gouvernement soit finalement l'otage de ces réseaux anti-réformes qu'il avait mis en place pour contrer la droite en son temps. Et à un moment, Manuel Valls a laissé entendre que peut-être il pourrait quitter le gouvernement si le retrait demandé par les syndicats pouvait être trop important pour ne pas dénaturer le texte qui finalement maintenant est devenu le sien. Vous y croyez à cette idée ce sont des mots qui circulent dans l'air et qui n'ont aucun intérêt? Au moins ça aurait du panache. Je crois qu'aujourd'hui il est important que les réformistes du gouvernement, en tout cas ceux qui s'affichent comme tels, aillent jusqu'au bout de leur démarche. Je pense que le pays attend de la sincérité, il attend de l'authenticité. On ne comprend plus. Est-ce que M. Valls, M. Macron, Mme El Khomri sont vraiment des réformateurs? Auquel cas, il faut qu'ils aillent partout faire la promotion de ces réformes qui sont tellement nécessaires pour le pays. Vous savez... Mais ils attendent votre vote, hein. En grande partie, ils considèrent que ce texte ne peut passer que si la droite le soutient. Oui. Donc est-ce que ce matin, vous nous dites, au fond, moi, comme d'autres, d'un point de vue symbolique, on va voter ce texte s'il n'est pas trop amendé? Alors moi, j'ai démissionné de l'Assemblée nationale parce que je ne voulais pas cumuler. J'ai dit que si le texte n'était pas édulcoré et que si j'avais encore été députée, je l'aurais voté. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va nous dénaturer ce texte. Et on va dire à la droite, ah ben voilà, votez-le. De toute façon, par définition, vous devez le voter. Mais alors, je suis désolée, nous attendons que ce texte, tel qu'il est aujourd'hui, puisse être présenté à l'Assemblée nationale et puisse être voté, avec éventuellement des améliorations ponctuelles à la marge, mais qu'en tout cas, on ne dénature pas l'accord d'entreprise, qui doit devenir la règle, qu'on ne dénature pas le forfait jour dans les PME, qui doit aussi permettre de travailler de manière plus efficace, qu'il ne dénature pas non plus les sécurités données en cas de licenciement. Vous savez, si on ne recrute plus en France, c'est parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes qui pèsent sur le licenciement qu'en réalité, les entreprises ne veulent plus recruter. Mmh. Et en Ile-de-France, moi je vous le dis, pour résoudre le problème du chômage, je vais mettre de la formation, je vais essayer de travailler avec Pôle emploi, mais tout ce que je vais faire sera beaucoup plus compliqué si le droit du travail reste aussi rigide. Mais imaginez, pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui nous regardent sur Paris Première, qu'ils aient une vision, disons, moins technicienne que celle qu'on peut avoir comme politique et journaliste, et qu'ils se disent finalement, la France qui nous attend mercredi, c'est celle qui n'a pas voulu des réformes de 95, c'est celle qui n'a pas voulu dérembourser les médicaments, c'est celle qui a mis par terre le CPE, alors vous avez cité la réforme des universités, mais il y a quand même une grande partie des Français, je lisais sur les réseaux sociaux, par exemple, du Parisien, qui disent, nous, de toute façon, même si les autres pays qui nous entourent vont vers la flexibilité, on s'en fout, notre identité, c'est le système social français. Notre identité, c'est pas le chômage de masse. Il faut quand même, à un moment donné, qu'on dise que le drame de la France, c'est le chômage. Aujourd'hui, moi, je vois des gens partout, dans toutes les départements de ma région qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. Il y a aujourd'hui un tiers des Français qui n'arrivent plus à rentrer de manière durable sur le marché du travail. C'est ça le fléau contre lequel on doit lutter. C'est ça l'urgence sociale. Mais à partir du moment où vous avez par exemple 14%, enfin, il y a 14 millions de gens qui
de la, la population active en France, c'est 28 millions. Il y en a 14 millions qui dépendent peu ou prou de la fonction publique. Donc eux, ils sont finalement relativement ou voire radicalement contre ce type de bouleversement. Parce qu'ils savent très bien qu'à terme, c'est le périmètre de la fonction publique qui va être touché. Il faut qu'on pense à nos enfants. Il faut qu'on pense à tous ceux qui vont arriver sur le marché du travail demain, y compris quand on est soi-même protégé. Et le sujet aujourd'hui, c'est qui va investir en France demain. Moi, je rentre du Japon, je rentre des Émirats, j'ai été faire la promotion de l'Île-de-France, j'ai été dire à des investisseurs, revenez investir. Mais que me disent les investisseurs? Ils me disent, mais vous avez vu que vous n'êtes pas compétitif par rapport aux autres pays d'Europe, par rapport à la Belgique, par rapport à l'Espagne, par rapport au Royaume-Uni. Mais alors expliquez ça aux étudiants, aux lycéens, aux syndicats qui vont manifester mercredi. Alors, c'est pas arguments. Les étudiants, les lycéens. C'est pas vrai. Quand j'étais ministre, j'ai vu qu'en réalité, les manifestants ne sont pas la grande majorité. D'ailleurs, la grande majorité de nos jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est trouver un emploi dans leur pays. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui de plus en plus? Eh bien, ils s'expatrient. Est-ce que c'est normal? 200 000 par an, c'est le chiffre. Est-ce que c'est sain, monsieur Durand? Est-ce que c'est un signe de bonne santé? Est-ce que c'est un signe de bonne santé de voir la France devenue si y a 500 000 personnes une dans la rue, d'émigration, faudra... d'émigration de sa jeunesse? Est-ce que ça s'est arrivé par le passé? Est-ce que c'est normal? Oui, je vous ai cité le chiffre, c'est 200 000 par an. Oui, non, mais c'est pas arrivé par le passé, parce qu'avant, nous étions un pays qui attirait les talents. Et moi, je veux que nous redevenions le pays où tout se crée, où tout se fait, et où les jeunes ont envie de rester. Vous imaginez, par exemple, l'électorat de droite qui nous écoute ce matin, on a parlé de la situation à gauche, il peut se dire, de toute façon, la France est irréformable. Je vais vous donner un exemple, c'est Laurence Parisot qui a expliqué un peu partout ces dernières semaines qu'en 2008, justement, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, à part la CGT, elle était arrivée, justement, sur le code du travail, un accord avec les syndicats, et que c'est Nicolas Sarkozy qui n'en a pas voulu, de peur, justement, de la rue. On est en plein cette situation. En tout cas, quand il s'est agi de faire la réforme des universités, on a tenu face à la rue. Et la gauche n'a pas travail. Oui, mais la gauche n'a pas remis en cause la réforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où la réforme passe, il y a beaucoup de blocages, mais quand la réforme est passée derrière, on en voit les bénéfices. Et finalement, à la fin, le pays se relève et se redresse. Donc il faut vraiment faire la pédagogie de la réforme. La réforme est nécessaire, en tout cas. Au niveau de la région, moi, je ferai ce que j'ai à mais faire. Vous avez l'impression, j'ai été élu pour faire des réformes, je vais baisser le fonctionnement de la région, je vais relancer l'investissement et je ferai au niveau régional ce que mais il ça faut s'accompagne faire d'une pédagogie. Au niveau national. Ça s'accompagne d'une pédagogie, mais ça s'accompagnera certainement aussi d'une opposition très stérile, très, j'allais dire, démagogique. Mais je crois que les Français, les Franciliens m'ont ils élu. Prêts. Ils m'ont élu pour ça. Oui. Et moi, je ne me déroberai pas à ce que je considère être mon devoir. Et je pense que François Hollande devrait réfléchir comme ça. Il a encore 5-15 mois. Oui. Comment rendre utile ce quinquennat qui, jusqu'à présent, est un quinquennat inutile? Justement, je termine sur ce plan. Est-ce que vous considérez que ce quinquennat est foutu? Il ne le sera pas. Il ne le sera pas si François Hollande jette ses ambitions présidentielles à la rivière et se met à agir en homme d'État. Il a dit l'autre jour sur France Inter que si jamais les chiffres du chômage ne se retournaient pas d'une manière massive, sa candidature était nulle et non avenue. Eh bien, je préférerais l'entendre dire si je n'ai pas fait une grande réforme dans mon quinquennat, je m'en irai et qu'il fasse cette grande réforme du droit du travail. Souvenez-vous des réformes Hartz. Donc c'est la semaine cruciale. Bien entendu. Souvenez-vous de Monsieur Hartz, de Monsieur Schröder. Ouais. En Allemagne, Monsieur Schröder, lui, la dernière année de son mandat, il a eu le courage de faire les réformes. Eh bien, je demande à François Hollande d'avoir ce courage. Pour ce qui est de la région, vous avez calculé, on l'a vu ce matin dans le Figaro, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je suis désolé évidemment de vous l'apprendre, que le trou dans la région, je parle du trou budgétaire, était de 440 millions. Est-ce que c'est vrai que vous allez vendre une partie du parc immobilier, mettre fin à des associations bidons qui existent et qui sont super subventionnées, oui ou non? Mais je vais faire feu de tout bois parce que la situation financière de la région est catastrophique et que nous avons besoin de réinvestir. Et moi, je ne serai pas une présidente immobile qui va subir. Donc, comme je ne veux pas subir, eh bien oui, je vais à la fois faire la chasse à tous les gaspillages. Il y a 22 millions d'euros qui ont été versés à des associations qui n'ont jamais rendu de compte-rendu d'activité en 2013. Donc, tous ceux qui ne vendent pas de compte-rendu d'activité dehors. Ah bah oui, plus de subventions. Et si on s'aperçoit qu'en plus, derrière, il y a eu des malversations, on demandera le remboursement. Ah ben oui, ça va être chaud, mais c'est l'argent des Franciliens, c'est l'argent des impôts, et c'est ce qui fait qu'on n'investit pas assez dans les transports, qu'on n'investit pas assez dans les lycées, dans l'éducation, dans la ruralité qui est complètement oubliée en Île-de-France, ou dans la sécurité qui est maintenant évidemment une urgence. Et vous vendez le parc des différents hôtels particuliers, parce que je sais que le conseil régional, il est dans le 7e arrondissement, si ma mémoire est bonne, mais il y a beaucoup d'annexes.
Alors, avez prévu de déménager en Seine-Saint-Denis. D'abord, c'est quand le déménagement ? Alors, c'est un processus qui s'est mis en place. Ouais. C'est un processus qui est forcément un peu long, puisqu'il faut dénoncer des baux, il faut respecter toute une série de procédures. La procédure est en cours. Moi, je me suis fixé de déménager avant la mi-mandat, et je vais rationaliser toutes les implantations immobilières de la région. Mais c'est encore pire que ce que vous pensez. Hein. J'ai découvert qu'on était propriétaire d'un hôtel particulier de 1200 m² au parc Monceau, de 330 mètres carrés à Versailles. On va ce qu'on appelle rationaliser le patrimoine immobilier. Mais encore faudrait-il avoir un schéma immobilier. Pour l'instant, nous sommes dans un état de non-gestion qui est préoccupant. Est-ce que je peux demander à Valérie Pécresse, dans la perspective des primaires, si elle est Fillon, Juppé, Sarkozy? Pour l'instant, je pense que les Français ne sont pas dans la primaire. Les Français sont dans l'action. Je vous pose la question. Acceptez-la. Oui, je l'accepte, mais je me déterminerai en fonction des programmes de chacun et quand je les connaîtrai. Mais ils sont tous là, les programmes. Ah non, j'espère que non, parce que moi j'attends beaucoup plus de réformes, beaucoup plus de simplifications et puis des mesures qui rétabliront vraiment l'autorité dans le pays. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'était notre invitée ce matin, donc la première invitée, bien évidemment, de Radio Classique et de Paris Première pour ce partenariat qui va nous emmener dorénavant tous les matins de 8h10 jusqu'à 9h. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse, car il est important que vous soyez au courant, évidemment, de ce qui s'écrit dans les journaux ce matin. Et puis après, avec Luc Ferry, vous allez voir, il ne mâche pas ses mots. Merci, bonne journée à vous. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.